Nous sentons vivre de près la portée de l'illustre proverbe Touareg qui dit « Qu'importe si le chemin est long, du moment qu'au bout nous attend un puits, car on est en plein désert. » Nous sommes à environ 2300 km au sud-est de la capitale, Alger. La région où nous nous trouvons est connue pour la richesse naturelle et archéologique de ses différents sites. Djanet, la perle du Sahara, a toujours été une destination privilégiée des passionnés du désert et des grands espaces. Ces dernières années, et avec les nouveaux supports de communication, la promotion et la vulgarisation des différents sites dans le Grand Sud ont suscité beaucoup d'intérêt chez les touristes algériens d'ici ou ceux vivant à l'étranger à venir découvrir leur pays. Dans ce numéro de Destination Algérie, nous allons vivre une aventure avec un groupe de touristes dans le cadre d'un circuit touristique proposé par une agence spécialisée dans le tourisme réceptif. Bienvenue dans Destination Algérie. Il est 22h et notre groupe est fin prêt pour le vol de Djanet. 2 heures de temps pour arriver à l'aéroport international de Tiscar. Bienvenue à Djanet. À Djanet, nous disposons un agréable séjour dans cette merveilleuse région d'Alger. Deux 1300 km séparent Alger de Djanet. Les vols sont le plus souvent nocturnes. Notre groupe commence dès la première soirée à comptabiliser les bivouacs, dans une ambiance où l'incontournable tasse de thé est offerte à tout un chacun. Ce type de tourisme garantit d'avance le dépaysement, et ce, dès l'arrivée sur les lieux des vacances. C'est dire qu'ici, l'offre touristique est des plus spécifiques. L'air pur du Sahara permet à nous autres citadins une bonne récupération. Après une première nuit passée à la Belle Étoile, le petit déjeuner est servi tôt le matin. Il est à peine 7 heures et nos touristes entament déjà leurs vacances. Tout le monde se sent d'aplomb pour aborder ces immenses contrées désertiques où la découverte aiguise les appétits. Donc l'excitation est à son maximum. Le temps est présent, les paysages et la bonne humeur également. Pendant que les organisateurs s'affairent à embarquer les bagages, les touristes profitent de ce moment pour fouler les grands espaces. On rejoint la plus proche oasis pour nous ravitailler en denrées alimentaires et autres besoins avant de nous engager dans les grands espaces.
Janet n'est qu'à quelques encablures de ces vastes espaces que nous sillonnons. Janet, cette perle rare du Sahara, reste la capitale d'un immense espace géographique qui n'est autre que le Tassili Niger. On profite d'une visite éclair du musée de Janet. Certains parmi les touristes du groupe se sont permis une balade dans le souk local en quête de produits du terroir, notamment des épices et autres plantes médicinales. D'autres touristes ont opté pour la gourmandise, telle la viande fumée à la braise, appelée localement Mainama. Mainama grillée sur des braises. Le mot Tassili est un substantif tamahak, langue des Touaregs, qui signifie plateau. Un immense plateau rocheux et sablonneux, équivalent en superficie le double de la Suisse, 10 fois le Liban ou presque toute la Tunisie entière. Le Tassili Niger est aussi cet immense espace des Touaregs Niger, ou Touaregs de l'Est. Une halte s'impose au pied des falaises de Tikou Bawin ou Épé, en tamahak. Le Grand Désert constitue une tendance touristique aux yeux de nombreux touristes, notamment les Algériens vivant à l'étranger. J'ai eu la chance de découvrir le Sahara l'année dernière, il y a un an déjà, du côté de Insala, Taman Rasset. Donc c'est une très belle région également. Et le séjour était totalement différent, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus luxueux, si on peut dire, puisque nous n'avons dormi qu'une seule nuit à l'extérieur, sinon nous dormions dans des chambres d'hôtel. Donc le séjour était totalement différent. Ici, cette fois-ci à Janet, c'est vraiment une immersion totale auprès de la population locale. J'ai toujours été attirée par le désert algérien. D'ailleurs, l'année passée, j'avais fait un circuit qui m'a permis de découvrir différentes villes du sud de l'Algérie, comme Gardaïa, Taman Rasset. Et cette année, j'ai fait le choix de découvrir aussi Janet. Janet qui me tenait particulièrement à cœur. En effet, le désert reste cet espace des plus envoûtants. Sarah, Nadia et les autres sont impressionnés par l'agilité des Touaregs sur ces terrains rocheux. Notre présence à Tikou Bawin a coïncidé avec une nuit pluvieuse. Ici, la pluviométrie varie entre 20 et 30 mm par an. On a eu le droit à la pluie, c'était très agréable. Maintenant, on va boire la taille. Faites par Tayed. Bonjour, cher ami. Il s'agit là de l'une des zones parmi les hyper-arides du globe. Janet et le Tassili Niger est l'une des dernières régions découvertes par les explorateurs. Là-bas, tous les noms des lieux ont un sens lié surtout à des croyances et à moult légendes.
Les anciens monuments funéraires, tels les basinas, attestent de la présence dans ces vastes étendues de l'existence de nombreuses civilisations humaines. Ces tombes à couloirs et enclos datent des 5e et 6e millénaires avant l'ère chrétienne. Ce site renferme de nombreuses tombes funéraires attribuées à la préhistoire. Sur notre route, on croise de temps à autre des petits groupes qui sillonnent ces vastes espaces, comme quoi Janet commence à renouer ses liens touristiques avec de nombreux visiteurs étrangers. Et ce, après un long sommeil conjoncturel dont elle était victime. Je viens d'Autriche, on a, avec un groupe ici. C'est déjà la 5e fois ici, c'est la région de Janet. C'est magnifique ici, mais c'est la première fois que je suis à pied ici. Normalement, j'ai allé ici par le 4x4, avec mon 4x4. Comme tu vas à pied, tu vois, encore beaucoup, quand le 4x4, tu es trop vite. it's a wonderful area here, the Janet area. No? We are here for 2 weeks, just in the Janet area. Tassili Dachmea, Tassili Tadra. The day after tomorrow to the Lavash Kipler. And walking 4 days we go together with camels, but only part of us like to sit on a camel. Most of us are walkers, like walking. Germans like walking. Les circuits en voiture tout terrain, à dos de dromadaire ou le trekking font le bonheur des touristes étrangers qui visitent Janet. Vient chercher l'harmonie, le calme, le silence, la beauté, l'esthétique et la gentillesse des Touaregs. À pied, retrouver le rythme, retrouver une nature, retrouver des sites et on peut les apprécier que si on prend le temps. On a l'impression qu'on gère et qu'on domine cette nature. Et quand on est dans le désert, on fait attention, on ne se couche pas n'importe où, on respecte les points d'eau, on gère l'eau, on gère les détritus qu'on produit. Par plaisir que j'amène des amis, des relations, et essayer de leur faire découvrir ce que j'estime être un des plus beaux déserts du monde. Quand là, Jerry m'a proposé, quand j'en parlais en Belgique ou en France, on m'a dit « Ah, t'es folle !» Donc un tout petit a priori, mais il m'a tellement parlé de ça que ça, quand on a envie d'y aller et quand quelqu'un vous le présente comme ça, c'est merveilleux. Et on n'est pas, moi je ne suis pas déçue du tout, au contraire. Les touristes amateurs du trekking découvrent les fins fonds du Tassili pendant que notre groupe s'initie à l'art rupestre local, en compagnie de Mortar, guide et accompagnateur. La grotte s'appelle Imourudun, la Sahari s'appelle Imourudun. Imourudun, c'est comme un enfant, un enfant, Yahbou. Ça s'appelle Bilterguia Imourudun. À l'époque, quand il y a la caravane entre Janet et Niger, c'est 2 mois de la marche. لازم يفوتوا هنا كل حقل بلاصة هذه باتوا على نوي سمعوا البي طفل صغير يبكي لما تجوا لهنايا لقاو يما ميتة لقاو الأطخاس تاع البيبي بلي دخل هنايا دخلوا هنا حوسوا عليه ما لقاوهش الو المرة هذيك دفنوها داروها طومبو تاعها وكملوا لا بخير ينسوها جات لا دوزيام كارافان باتوا هنايا سمعوا البيبي يبكي في الليل نادوا صباح يحوسوا عليه ما لقاوه ما لقاو الأطخاس تاعو يدخل لهنايا. C'est pour ça que ça m'a dit Imourudun. Et du coup, elle se trouve où la tombe de la maman? Oui, il est là, juste en face. D'accord, on va aller la voir là? Ah bah oui. On va aller se reculer. Thank you.
Le bivouac impose aussi le côté cuisine où l'on se débrouille comme on peut. Oh la nourriture! Je me régale. Ouais, je découvre plein de choses, mais j'aime beaucoup. Ça fait au moins une semaine que j'ai mangé sans avoir mal à l'estomac, mais quel plaisir, mais vraiment. Alors, très très bonne. On mange beaucoup quand même, malgré tout. On mange vraiment sainement, avec des plats assez simples, qui sont très bons. Et je tenais à remercier Ilyes, alias Roger, qui nous fait une cuisine avec le cœur. Le chef Elias en pleine cuisine. وفيها ما زال لازم تحافظ على الماء حتى ما كان في فواكي اخترت يستقام حتى ل 15 يوم تما كي تكون نونسيا وتعرف تجيك الخدمه لاباس او يدهرتي يا راهو دقن جاوا غريد شكشوكه تاع الدجاج شويه شوفلير سلطه خضراء سلطه ماسدوان خلاص À table, on discute et on se régale comme on peut. Après le repas, il s'agit de fixer le bon endroit pour la nuit. Une fois le camping installé, nos touristes se placent pour capter le subliminal coucher du soleil du Tassili et le décor qu'impose celui-ci. L'animation nocturne s'improvise à coups de guitare et divers instruments de percussion et autres danses. Les journées passent et ne se ressemblent guère. Chaque étape du circuit engendre de nouvelles découvertes avec différents décors. Ce plateau immense, ponctué de dunes de sable parmi les plus hautes du monde, on fonce à l'aide de voitures tout-terrain, droit vers des espaces jusque-là méconnus que seuls les Mohawks ou Touaregs détiennent les secrets les plus profonds. Mmh.
Peinture rupestre. C'est la peinture rupestre. Il y avait 4000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans jusqu'à 8000 ans avant Jésus-Christ. Retour à Janet. Le camping La Rose des Sables paraît l'endroit idéal pour reprendre un temps de répit avant d'entamer la découverte de la Tadrart, où les dunes de sable rouge débordent sur le Fezzan libyen. Après une journée pleine de découvertes, tout le monde se repose sous les tentes. Fanny, t'es reconnaissante. On immortalise chacun à sa manière des photos de souvenirs sur ces lieux presque magiques, aux abords des frontières libyennes et nigériennes. On traverse l'infini lit de l'oued Kinarassu et ses vastes bouquets épars d'acacia. Ces lieux abritent une nature des plus fragiles et des plus vulnérables que le moindre faux pas pourrait détruire à jamais. La survie de ce même milieu est due jusque-là à un miracle qui n'a pas encore tout dit, tant les Touaregs ont pu y vivre et le sauvegarder en toute harmonie. Les stations rupestres foisonnent au niveau de ces blocs de grès dispersés ça et là. Al-Haynan, très dur, ça bzaf. Parce qu'on est venu au milieu de l'eau, c'est comme une plateforme. Parce qu'on met tout touche le même, comme les autres. Tout le monde semble apprécier ces œuvres d'art d'un autre temps que l'homme du Tassili a mémorisé sous forme de gravures et autres peintures. Une pause déjeuner s'impose dans cet endroit ombragé grâce à ces majestueux acacias. Nadia, voici Nadia, oui. Les gravures étaient vraiment. Janet me fascine énormément. Je suis également très impressionnée par l'immensité des lieux. Et me retrouver comme ça par terre, dans le bivouac, ça fait rapprocher beaucoup, beaucoup. Ça me rapproche moi du sol déjà, ça rapproche mon ancrage au sud et ça rapproche et également toute l'équipe. Et je suis vraiment très, très contente de ce voyage parce que nous formons un groupe très soudé. On a la chance d'être avec un groupe juste différent de caractère, mais homogène dans les pratiques et dans l'envie. Et ce qui fait que voilà, tout passe et c'est hyper agréable. Tayeb, notre éclaireur, initie Sylvie à un bain de sable ferrugineux. Il s'agit d'une bonne thérapie pour les pieds, grâce à la bonne circulation du sang que celle-ci procure. On investit enfin Tadrart et ses illustres stations de peinture rupestre des plus rares. Il s'agit d'animaux ayant appartenu surtout à la période des bovidés. Ces peintures relatent aussi la période où le Tassili constituait une savane. Give me down.
Après la visite des sites préhistoriques de Tadrart, tout le monde profite à sa manière de l'incontournable randonnée pédestre sur ces lieux magiques que l'homme a côtoyés de près il y a des millénaires. Après un camping à l'entrée de Tadrart, nos touristes ont pu profiter d'une virée pédestre dans le site naturel de Tistka, en escaladant ces monumentales falaises de grès. En fait, on a fait Tadrart, exact, c'est le site de Tistka. Tistka, derrière moi, il y a trois geltas. وإنشالله نلقاوهم عمرين على سماوها تستكا لما جغت نجيو نلقاو فيها الماء ناقص ولا نلقاوها فارغة قلتها تسنتين لأن ديما تبقى باسكو جاية في بلاصة في الظل ومل تحكى لبيغ سوبرسا ما تنشفش هادو يتنشفوا باسكو كان الرملة من تحت ما تطولوش قمرو ليلك قدر سمرو قصرك سحر وفي دنيا